Personnages d'animation les plus populaires font enfin leur début sur grand écran. Donnez-vous la peine d'entrer. Après le triomphe international de Chicken Run, soyez tous rock'n'roll! Allez! Ses créateurs, les studios Artman et DreamWorks, s'associent de nouveau pour un long métrage d'aventure avec ce drôle de couple, Wallace et Gromit. Sous la houlette de leur créateur Nick Park, Wallace et Gromit sont devenus un phénomène mondial. Les courts-métrages relatant leurs aventures ont remporté 2 Oscars et ont été traduits dans plus de 20 langues. Leur créateur Nick Park, lauréat des Oscars, fait équipe avec Steve Box à la mise en scène de ce film d'une folle créativité. Ah, il a pris la grosse tête. C'est vraiment génial de voir enfin Wallace et Gromit sur grand écran. Je dois dire que c'était une de mes ambitions depuis des années et des années. Eh oui, c'est parti mon kiki. Wallace est un joyeux inventeur excentrique qui adore le fromage. Bah oui, j'en suis dingue, surtout du cheddar. Gromit, son fidèle compagnon à quatre pattes, s'il n'est pas doué de la parole, dispose d'un répertoire d'expressions corporelles très éloquent. Ça, c'est un gentil chien. Leur aventure débute dans une petite bourgade d'Angleterre dont les habitants préparent le grand concours du plus beau légume. Que de légumes! Ce grand potager paradisiaque. Wallace et Gromit sont appelés à la rescousse pour enquêter sur une mystérieuse bête qui ravage les potagers. Mon garçon, je crois que notre enquête est sur le point de faire un pas de géant. Oh, Tim. Tout l'humour du film, c'est que ça se passe dans une paisible petite bourgade d'Angleterre. Genre tasse de thé, biscuits, toutes ces sortes de choses. Et que par une croissance exponentielle, ça devient une gigantesque aventure. Oh, charmant! La tâche des créateurs pour amener ce drôle de couple à la vie est tout aussi gigantesque. Décors, costumes, expressions des visages, chaque détail de ce style d'animation inimitable est peaufiné pour rendre réel le monde imaginaire de Wallace et Gromit. Et tout ça en une nuit! Parmi toute une galerie de nouveaux personnages, on découvre Ralph Fiennes dans le rôle du snobinard Victor Quatermain. On n'est jamais déçu avec Victor Quatermain. Aucune tromperie sur la marchandise. Et Helena Bonham Carter joue Lady Toddington, l'aristocrate secrètement amoureuse de Wallace. Je vous en prie, voilà. Appelez-moi Toddy. Vous savez, j'ai toujours été fan de Wallace et Gromit, je les adore. Ils ont si bon cœur. Oh, ça c'est trop gentil. Vous aussi, vous serez dingue du monde plein d'inventions de Wallace et Gromit. Bientôt dans les salles. Du beau travail, mon gars. Oh, but...